Oh. Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau, une nouvelle vidéo. J'ai une absence, voilà, c'est je vous le dis, je deviens totalement fou dans une nouvelle partie de ce Let's Play Pokémon Platine. Tout se passe au mieux pour l'instant, c'est la régalade. Par contre, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu un commentaire. J'ai un commentaire qui m'a dit, ça me trigger que tu n'es pas encore évolué Manu. Voilà, j'ai lu ce commentaire tout à l'heure avant qu'on commence. Donc aujourd'hui, je vous le dis, cette VOD est consacrée à Manu. On va le faire briller, je voulais juste briller. C'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. On n'a pas parlé au caméraman par contre ici. Qui acceptes-tu de te battre contre nous? Ah bah ouais. Oh, je savais pas ça, on peut se battre dans les centres Pokémon maintenant. Let's go. Ok, Jill and Jack. Oh, on a du Tarsal, on a du Magnets. Là, il a fait une grave erreur parce que on est d'accord que Magnety dans cette génération, il est donc acier, non? Il est acier élec, du coup, il est censé prendre sa giga part. Tarsal, on va lui mettre ça. Et lui, on prend une roue de feu dans Magnety. Ouais, totalement, hein, il est totalement. Il est totalement mort, voilà, on peut le dire. Car Navarro attaque directement! Voilà, it's super effective, my friends. Ça dégage. Manu qui a rien. Donc il n'y a rien de passé. Voilà, la petite poursuite qui va faire le taf. Bah, c'est juste du one-shot. C'est juste du one-shot. Il est totalement trop fort, mesdames et messieurs. Non, on va pas lui mettre le multiplex de suite. J'ai envie de faire évoluer notre ami Lelouch en Luxray. J'attends beaucoup de Luxray, on va pas se mentir. J'ai perdu, mais je ne suis pas déçu du voyage. Ça, c'est du spectacle. Ok. Vous avez autre chose à rajouter? C'est du spectacle. Eh bien, soit. Soit Mélina, championnat, est une fille adorable. Mais ne te fais pas aux apparences. Même les adultes ont du mal à la battre. Merci beaucoup. Je crois avoir pour souvenir que quand nous sommes arrivés à Voilaroc, je vous ai dit, est-ce un gag? Est-ce un casino? J'ai cru voir un casino. Qui c'est elle? Venu en cette ville pour faire mon shopping. Ouais, c'est la Dopole, quoi. C'est ça, le centre commercial de Voilaroc. Ok, on va y aller après. Alors, normalement, je crois que... Est-ce que c'est ici que je peux réacheter? Enfin, réacheter. C'est pas que je l'ai pas acheté avant, c'est juste que je l'ai pas appris. C'est Aquajet. Ça, c'est quoi? C'est un casino, quoi? C'est le casino. Let's go. Stream casino. Stream casino, mesdames et messieurs. Ouais, ici, c'est Only Casino. Alors, on va voir ce qu'il y a. La musique qui va pas du tout. Voulez-vous des jetons à changer contre des objets? Oh, tout n'est sûr, vous n'avez pas de boîte de jetons. Oh non, y a pas un mec qui va me la donner? Toi avec ta méga calme. Le jeune homme d'à côté en a une. Ça doit être. C'est lui? Ouais, non. Ah, quand il dit jeune homme d'à côté, il parle de. C'est toi le jeune homme? Non, c'est dans une autre maison alors. Ok, super belle. Je pense que ça doit être. Il y avait Bella de Nice? Ai-je loupé Bella de Nice? Ah oui, il est là? Non. Bella de Nice, il est de retour, le chercheur à Tarpal, mesdames et messieurs! Ah, c'est toi. Mon petit toi me dit que la Team Galaxy a peut-être ses habitudes ici. Il faut mener l'enquête. Heureusement, je suis là! De plus, les indices fourmillent toujours dans les endroits fréquentés. Game over! Comment est-ce possible? Est-ce un gag? Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout ce qu'il me... Il veut pas me dire plus. Bah, très, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Chaque client pour les versions de pouvoir renverser la limonade ou Sudaku sur la borne de jeu, ça va pour endommager les problèmes et mener dans la direction. Ok, il n'y a rien de fou. Est-ce que lui, il peut me donner une boîte? Non, ça doit être ailleurs, du coup. Par contre, donc, il va y avoir de la dinguerie. Il y a toujours un truc avec la team... La team Bella 2, la team Bella 2, c'est la team Galaxy, la team Roquin, n'importe qui dans le casino, il y a toujours une dinguerie. Lui, il va peut-être m'en donner. Ah, le bâtard. Ah, il paraît qu'il y a un bouffon qui les distribue, mais. Mais du coup, attends, ça veut dire que c'est un bouffon. J'ai enlevé le jeton quand même. Ça veut dire que c'est un bouffon au sens propre du terme. Ouais, le B-word. Je pense, non? Ouais. Tu te fais quoi? Ok. Vas-y Manu. Si ce Pokémon apprenait puissance cachée, ce serait une capacité de type sol. Ah d'accord, il te donne le type. Ouais, bien vu mec. Énorme. Alors. Je peux juste regarder ce qu'il y a. Il y a de la CT. Ils te disent pas la CT ce que c'est? Ah, c'est clonage. Ok.
Sport Kona, naninana, nanana. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Giga Impact, c'est fort ça, Giga Impact. Est-ce que c'est de la pure dingues? Merci pour le Prime. Où c'est éclaté? Ah, c'est de la merde. Ah ouais. C'est ultra laser, ok. Et du coup, ça veut dire que si tu l'utilises, tu sautes un tour. Ouais, bah voilà. Girobal. Je connais pas du tout Girobal, ça me dit pas. Psycho, c'est pas mal. Psycho. Oh, laser glace. Laser glace, ça me fait kiffer. Laser glace, je crois que c'est une de mes attaques préférées. Mais les CT sont plutôt, plutôt forts. Bon, il faut trouver un bouffon du coup. Attends, lui. Gardons la capsule secrète qui permet d'apprendre vol dans le hangar. Ils ont dit que je pourrais l'utiliser si je m'en sors. Ok, très bien. Donc là, on va pouvoir apprendre vol. Ça va être là-bas, c'est la Team Galaxy. Un homme s'est adressé à moi dans une langue étrangère. Quelle surprise. Je crois qu'il me demandait si j'aimais les Pokémon ou quelque chose comme ça. Ok. Pas mal. Je crois que c'est un, ça, c'est un des escaliers les mieux qu'on ait fait. Il mène à rien. Voilà, bah, je vous montre ma petite parcelle de terrain. Il y a quoi dessus? Rien. Non, mais il y a pas, il y a forcément une dinguerie. Il va y avoir quelque chose dessus, non? Il y a rien. Il faut que je trouve, peut-être un bouffon, je pense. Ouais, ils sont en tenue de clown normalement. Mais je pense qu'ils disaient ça en mode très sérieux. Ok, là on part à la Super Zulu, la capitale de la pierre. Ah, c'était 63. Qu'est-ce que c'est? 63. Si la capacité embargo est utilisée sur un Tepokon, on ne pourra plus utiliser d'objets. On profite bien de ta visite. Ça a l'air à chier, non? Oh, c'est la reine. C'est Aurore. Jira, tu vas tenter ta chance à l'arène. Pfiou, rien n'arrête ton ascension. Moi, eh bien, je suis allé faire du shopping au centre commercial. Et oui, bien sûr, je continue à travailler à mon Pokédex. C'est correct comme formulation de phrase. Je continue à travailler à mon Pokédex. C'est pas plus joli de dire je continue à travailler sur mon Pokédex, non? C'est pas beau. Moi, tu pas... J'aime pas trop. Ouais, on va voir la mère de Xari, là, pour... Oh, jure. Rey Mysterio derrière. Rey Mysterio, mesdames et messieurs. Sur le ring, pareil à un loup de mer, les flots ont façonné mon âme guerrière. Bang! C'est moi, Lovis le Teigneux. Bang! C'est moi, Lovis le Teigneux. La déferlante toute puissante prête à vous submerger. J'éteins les flammes les plus ardentes, mais j'évite l'électricité mordante. Ah, 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 je me déchaîne sur le ring comme une tempête en mer. Eh bien, écoute... Salut les jeunes, vous allez défier le champion d'arène? Le mec, il a commencé. C'est... Bonjour jeunes gens. Salut les jeunes. J'espère qu'il va pas me laver le cul. Bah écoute, je passais par là, je savais pas qu'il y avait l'arène, mais je vous préviens les jeunes, mais c'est un génie. J'ai essayé de m'entraîner à ses côtés et sa force m'a laissé sans voix. Oups, je ferais mieux de me présenter. Je suis champion d'arène et expert en Pokémon, en catch et en chant. Ah oui. Lovis le Teigneux de Verchamp. On se reverra. Oh, donc c'est un champion en fait. D'accord. Donc j'imagine que c'est un mec qu'on aura un peu plus tard qui a l'air un peu énervé. Hop, je m'approche un petit peu, je me permets. Ouais, bah bonne chance à la reine, bonne chance à la reine. Cela dit, en tout sens, c'est pas la reine qu'on va aller faire parce que on avait fini rapidement la dernière fois pour save. Du coup, on a déjà laissé des dresseurs derrière nous, donc on va faire évoluer un peu de monde. Par contre, moi, ce que je veux, c'est la boîte de jetons, quoi. La boîte de jetons, messieurs, dames. Ah, il y a un item ici. Et ouais, il est là. Un morceau étoile. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais... Ouais, une étrange météorite. J'imagine que là, c'est pareil. On a rien. J'ai pas essayé les maisons, par contre. C'est vrai. On a fait celle-ci. Celle-là, on l'a. C'est le casino. On n'a pas fait cela. Je vais aller voir dans les baraques. Sachant qu'on peut passer derrière en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On fatigue, pas vrai? Oh non, je parle pas de toi, plutôt de tes Pokémon. Tu peux masser un Pokémon? Oulala, qu'est-ce que. Oh, je te propose de masser peut-être Manu? Est-ce que tu peux lui faire un peu de bien ce Manu? Bien, allons-y. Allez, poussin, on se détend. Oh la dingue! Oh la dingue! Oh la dingue, mesdames et messieurs!
Manu sourit bêtement. Mais alors Manu, on vient de se faire masser. J'ai trouvé ceci en massant, Manu. Un nuage fumé. Bah écoute, ouh, c'est bon ça, c'est très très bon là ce qu'on s'est mis. On repasse me voir demain, mais y a pas de rien, tu as aucun souci. On passera devant demain. Le petit ami de ma sœur est le type au foulard de verre champ. Il s'envoie des lettres livrées par des Pokémon. D'accord. Et à la télé, qu'est-ce que nous avons? Combat Pokémon en direct. Bonsoir, ça marche bien les combats. C'est l'heure de combat Pokémon en direct. Nous allons en détail les dresseurs en plein combat. Commençons notre émission. Combat Pokémon en direct, encore une fois. Flash info spécial. Nous venons d'apprendre cette incroyable histoire. Rive Lac Vérité, non loin de là, Jiraiya a déliché l'objet Petit Champi. C'est encore le retour du Petit Champi. La méthode employée par Jiraiya pour le découvrir est inconnue. D'après des témoins, Jiraiya aurait agi discrètement. Putain, ils vont nous sortir à chaque fois ce truc-là, ça me fume. Merci pour le Petit Champi, là, pour le flash spécial. Ah, ça existe plus à partir de Platine après le casino. Par contre, ça c'est vraiment dommage, quoi. Ça c'est vraiment abominable, je trouve. Ah, c'est lui le fombe. Toi là-bas, vise un peu ce jeton. Tourne. Alors, dans quelle main est le jeton? Forcément à droite. Bravo, joli coup. C'est une bien belle victoire. Tu as mérité cette boîte jetons. Merci le bouffon. Voilà, et ciao le bouffon. Voilà, bah à droite, ouais. Vous croyez vraiment que j'allais voter gauche? Oh là là. Mais enfin. On va chercher des jetons un peu. Le casino, les gars, je kiffe le casino, c'est toujours de la pure dinguerie. Alors, ici, ok, c'est 1000 balles, les 50 jetons. On se prend 10 000. On va essayer de convertir tout ça. Et bienvenue dans le stream casino aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ici, nous, on a les jetons, c'est bon, on a ce qu'il faut. Let's go. Et petite musique d'ambiance. 20 jetons. J'irai ranger les jetons dans les boîtes de jetons. Ah bon? Ah bah ça y est, j'ai 20 jetons. Une borne de jeu. On peut pas jouer? Attends, quoi? Non, jure, c'est une blague. Ça a été interdit en Europe? Pourquoi? Mais comment ça, c'est un jeu de... Non mais c'est un gag. Mais c'est pas un jeu d'argent, mec. C'est pas un jeu d'argent, tu joues pas de l'argent. Mais vous êtes... Ils sont matricés ou quoi? N'importe quoi, quoi. Oh là 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 là! Dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on, je vous le dis, moi? Allez, je suis abattu, je suis vraiment abattu. Une borne de jeu. Ça veut dire que. Putain, mais mec! Ça veut dire que même. Attends. Je me souviens du jeu, c'était quoi? C'était Super Mario. Super Mario, tu sais, le remake de Mario 64 sorti sur DS. Il y avait un casino avec Luigi, Mario, etc. Tu vois, c'était pas interdit pourtant. Non, c'est n'importe quoi. Mais c'est ridicule. C'est aussi ridicule que de dire que demain, si je joue à Counter-Strike, j'ai envie de devenir un terroriste. Enfin bref, non, mais fou, c'est n'importe quoi. Non, arrêtons aujourd'hui, voilà, de prendre par la main tout le monde. Les gens, non. Je suis extrêmement désolé. C'est n'importe quoi. Ah non, je suis fâché, je suis rouge de colère. Il y a eu un don d'un euro, ça fiche pas les dents d'un euro, c'est pour ça que je suis échappé. L'OIRL a supprimé le casino à partir de Platine car ça représente des jeux d'argent et pas bon pour les mineurs. Bah, ça pue la merde, laissez-moi vous le dire que c'est honteux. C'est honteux, c'est une honte. Qu'est-ce que c'est ça? On est où là? Bah en France. On est où en France? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bâtiment Galaxy de Wallarock, l'univers nous attend. Je pense qu'on pourrait peut-être aller faire le bâtiment Galaxy aussi. Oh, quelle déception! Les gars, je rigole pas, c'est un coup dur hein, pour moi. On reparle à Belladonis. Ouais, je peux aller lui reparler si vous voulez, mais. Je vous le dis, c'est. Pour moi là, c'est coup dur. Hein. Je vais faire un malaise. Mais alors, comment tu fais pour avoir des jetons et tout ça? T'es obligé de payer tes jetons au final? Oh la dingue. C'est toi.
Non, bah non, mais non. À mon avis, il faut aller lui parler une fois que t'as démantelé la Team Galaxy ici. On va juste revenir en arrière. On va aller train mon Musté Boué. Faire un Musté Flotte. Ouais, t'achètes les jetons, c'est nul. On est d'accord, franchement. Enfin, non, je vais pas faire le gars et tout, mais on est d'accord que c'est abusé, non? Est-ce que vous êtes pas un peu deg, le chat? Le chat, la famille? Est-ce que vous êtes pas au BDR quelque part? Moi, je vous le dis, je suis vraiment abasourdi. Hein. Moins 10k, ouais, putain, j'ai acheté. J'avoue. Moins 10k, je suis un bouffon. J'ai perdu 10k. Ouais, bout du rouleau. Tu sais, j'ai joué à Pokémon, j'ai joué à plein de jeux où il y avait des mini-jeux comme ça. Suis-je addictif? Je suis addictif, n'importe quoi. Suis-je addict? Absolument pas. Est-ce un pète au casque? Non. Moi, je trouve qu'on prend trop les gens par la main. Oh, parce qu'il y a un moment, ça va, tu peux plus. En fait, t'es en train de... Ça pénalise tout le monde, monsieur. Ouais, 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 on va parler de ça aujourd'hui. Je suis en colère. Je suis colère. Je suis colère aujourd'hui parce que putain, ils peuvent pas mettre une option. Non, sérieusement, ils peuvent pas mettre une option. Voulez-vous activer ou désactiver le casino? Comme ça, les parents qui veulent pas que leur enfant joue à ça, eh ben ils désactivent et les enfants peuvent plus le faire. C'est un contrôle parental. Et les autres, ils peuvent jouer au casino. Merde! Enfin, dis donc, moi j'avais envie d'aller un peu de machine à sous, un peu de roulette, un peu de suspense, un peu de truc. On joue pas de l'argent. Oh, ouais, c'est extraordinaire ça quand même. Ah non, maintenant il faut prendre tout le monde par la main. Non, mais parce qu'en fait, à un moment, voilà. Non, mais maintenant, c'est quoi la prochaine lubie? Non, on a décidé de retirer les hautes herbes parce qu'on a trouvé que les gens, sinon, développaient une addiction à la jardinerie. Oh, et oh, ça va? Je suis en colère, ouais. Oui, la jardinerie. Y a un problème? Et je vois la perle. Un shiny, ouais, il est shiny, bien sûr. Les animations désactivées, trop violentes. Ça fait trop peur. Une petite météore. Oh là là. Et du coup, ça veut dire que sur la version Jap, par contre, ça marche. Mais attends, y a personne qui a essayé de modifier le truc. En mode, j'implémente le casino de la version Jap sur la version européenne, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Mais bon, ainsi va la vie. Casino marché sur diamant, père. D'ailleurs, j'ai pas suffisamment joué à Sword, Pokémon Sword avec leur Gigamax de leur mort, là. Mais il y avait pas de casino, non, dans Pokémon épée et bouclier. Il me semble pas. Non, y a pas. Ah, c'est dommage, c'était mon petit plaisir, moi. Mais d'aller récupérer les porygons, les petits trucs comme ça, je trouvais ça rigolo, quoi. Je trouvais ça assez sympa, mais. Là, ça me. Ouais, en fait, on va pas faire toute une histoire et parler de ça toute la vie, mais en vrai, en premier degré, je trouve ça quand même un peu abusé. Ah, attends, c'est ténèbres, ce serait pas super efficace. Ouais, bah ouais. Suis-je bête? Une petite feinte dans ma mère. Mais attends, il est. Attends, lui, il est quoi? Il est combat poison, il est pas haut. À chaque fois, je crois qu'il est haut, mais en fait, non. Il est combat poison, lui, je crois. Ouais, ouais. En même temps, quand tu t'appelles Cradopo, gros. Il dit que théoriquement, il y a peu de chances pour que le mec soit pas un Pokémon haut. Et pourtant. 26. Alors, est-ce qu'il évolue 26, Manu? Je me souviens plus du tout. Manu qui va peut-être le faire. Non, je change pas. C'est 30. 30 ou 26, je sais pas. C'est 26, let's go. Oh, Manu qui va devenir un monstre. La vache, Manu. Oh, alors peut-être Manu. Manu qui domine le serveur. Meditica, ouais, je vais aller chercher. Donc il est 26, 24 pour Aldéon. On va chercher Aldéon un peu. Aïe 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 aïe. Ouais, Manu, quand il pleut, c'est vraiment le boss, quoi.
il spit un max, il crash. C'est vrai qu'on a Alde qui est devenu godlike aussi. Le tour du sable Dracorage, pour un petit séisme. Ça mange pas de pain. Le séisme, je te jure, ça régale. Ça. Oh, quelle régalade, Alde. Il secoue les miches là. Allez, tu me one-shot tout ça. Oh, quel abus. C'est quoi ça, lire esprit? Oh, il me vise. Bah, dis donc. Il fait une belle jambe, ça. Allez, un petit tourbissable, un petit tourbissable. Albatar, détection. Je suis abattu. Très bien joué à lui. Ah, est-ce que je mettrais pas la tempête sable? Du coup, il est baisé. Il va faire détection. Ah non. Bah, il est mort en plus, c'est pas fou. Il me vise encore. Par contre, il a pas. Voilà, tempête ferrage, à plus en lame. Alors, détection ou pas détection, on bat les couilles, frère. Le louche, niveau 29. Le louche, dans 3 levels, c'est pareil. Hein. Il s'envole. Hein. Allez, le karatéka, ça dégage. Jure. Quoi? Oh, je vais découvrir le Pokémon. Je sais comment il s'appelle, mais je vais le découvrir. Je vais découvrir Manu. Manu, est-ce qu'il va... Oh, il a secoué sa queue, là. Il a fait tourner sa queue. Oh. C'est devenu un chaman ou quoi? Jure. And now, oh la 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 la, Manilthrara! Très très fort celui-ci. Mustéflotte! Oh, ma chouille! Oui, cette fois-ci on va pas se faire avoir. D'ailleurs, il faut qu'on aille lui chercher Aquajet. Aquajet. Du coup, ma chouille à la place de quoi? Ma chouille à la place de poursuite, non? Tellement de drip. Je pense que ouais, poursuite, on va pas le garder des masses, ouais. Et Aquajet, je vais aller l'acheter et parce que vous m'avez dit que je crois que c'est à Voilà Rock, hein. Je vais aller chercher sur mon centre commercial. Et du coup, ce qui fait que Aquajet, je vais remplacer quoi avec pistolet à eau? Non. Vivatac. Bah Vivatac en fait, je suis bête. Parce qu'Aquajet c'est Vivatac mais typé en fait. Littéralement. Il me semble. Donc, ça serait très bien. Ouais, Vivatac. Ouais. Exact, exact, on est bon. Ah, c'est un Verchamp, Aquajet. D'accord. Pas besoin d'Aquajet vu la vitesse de base. Bon, on a quand même dit que c'était quand même assez stylé. Alors, et toi, ouais, toi là, c'est l'hangar de la Team Galaxy, pas un jeu pour gamin. Ok, donc je suppose qu'il va falloir qu'on aille laver la Team Galaxy. Est-ce que vous me conseillez d'aller au centre commercial avant? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la petite dingue au centre commercial. Hello trainer, do you like Pokémon? Ah oui. Excellent. So do I. Quoi? Il veut quoi lui? Il est malade ou quoi? I don't think so. You like to drive your Pokémon? Pourquoi il parle en anglais? Il est malade? Monter comme ça. Ah, il faut escalade. Je suis battu. On y va, on va chercher des grosses. Ouais, il faut escalade. Je sais pas pourquoi il me parle. Le mec m'a parlé en anglais. Oh, sous-sol. Alors attends, on doit avoir le plan ici. Mais lui vous attend au centre commercial de Voilà Rock. Ça c'est vraiment, tu sens que c'est un jeu japonais quoi. Ça c'est vraiment le typical, je sais pas si des gens sont déjà allés au Japon, mais c'est typical centre commerciaux japonais, des grandes tours, escalator, 1F, ça va partout. Parce qu'ils disent pas rez-de-chaussée. Le 1F, c'est pas le premier étage, c'est le first floor. C'est le rez-de-chaussée, et c'est parti, et tu te régales. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La Pokéball, de l'Hyperball, j'ai juste perdu 10 000 balles quand même, je suis en train de me rappeler là, que j'ai un peu mal au cul. Y'a rien qui m'intéresse. Non, ça va, pour l'instant, y'a rien qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a ici? Potion, super potion, hyper potion, potion max. Rappel, on en a 5. C'est good. Potion max, Osef. Hyper potion, ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer, on va en prendre 3 pour en avoir 5. Ouais. Pas de sous. Donc quoi, le reste Osef un peu pour l'instant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mal de ventes à faire, vous avez raison. Dans la vente, on a quoi? Petit champi. Qu'est-ce que je dois vendre ici littéralement? Genre tout ce qui est Kyker, il y a vraiment des trucs que je dois... Bon, la pépite forcément. Pépite, ça c'est cadeau. À peu près tout.
Ouais, grande perle. Champi, perle, pépite. Et quelqu'un, faut garder. Une éboisée à Vestigion ou devant des herbes rappel max. D'accord. Mais c'est un peu toxique, ah ouais, ils peuvent canner quoi. Perle, morceau d'étoile. Garde tes écailles, ok. Donc, déjà la pépite. 5 000. Ça me fait mal au cœur, mais bon. T'es pas 10 000 avant la tête? La pépite. Où je dois rêver. Champi, je sais pas à quoi ça sert à quelqu'un. Je garde grande perle. 3 700, ok. Le miel, non. Améliorator, non. On a la pierre foudre, plaque esprit. Pierre fou, pierre haut. Pierre haut. Bah, c'est tout, j'ai rien d'autre. Ah non, en fait. Morceau d'étoile. Ça, c'est aux F-tier. Ouh, si, c'est pas mal. Ah, c'est bien ça. Ouais, exact, ça, on va le vendre. Ouais, c'est bon. Je prends. Non, c'est bon. Donc, alors, j'ai pas de plan. Je vais juste descendre, hein, je vais découvrir. Oh! Quel job. Ah, des pauvres là, ouais, d'accord, ok. Les lava cookies, mais non, qu'est-ce que. C'est. Ah, oh, ça, c'est les indés en bas. Je n'ai plus un seul bonbon rage en stock. Je suis confus. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va l'air stylé. Donc là, on est au moins 1. D'accord, c'est friandise, nourriture. Il y a des trucs à prendre en vrai qui sont cool ou pas? Non, mais je visite, hein, les gars, je visite. On n'est pas pressé, non? D'accord, mais. Jetez un coup d'œil à la sélection de B. Ne vend pas de B. Ah, elle en va. B go away, B mago, B wiki, B figgy. C'est pour du peaufin, quoi. C'est du full peaufin. Ok, c'est pour se peaufiner, quoi. Bah non. On va se casser. On va aller à d'autres étages. On va monter au. Aller au premier. Trophée au second floor. Alors, qu'est-ce qu'on vend ici? Que me recommandez-vous? Oui, d'accord. Bienvenue de la boisson protéine. Non, vraiment de la chiasse. Je parle un peu à tout le monde. On voit ce que ça nous raconte. Ouais, ok. Le PV+. Ah, ouais, c'est pas mal. Dans le cadre de nos promotions, nous offrons un logiciel Pokémon très gratuit. Je peux vous offrir le compteur si vous voulez, qu'en dites-vous? Bien sûr. J'ai le Pokémon de compteur. Pokémon de compteur? Alors, je sais pas à quoi ça sert. Le compteur peut être utilisé pour compter jusqu'à. C'est où? C'est en bas maintenant? Donc ça, c'est les packs que j'ai. Excellent, fait. J'adore les bits. Bon, merci pour toutes ces bits là qui ont été distribuées, les 1000 bits, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On en a parlé, Chavagne, mon petit gros Tintin, au tout début. On en a parlé au tout début, donc wait and see pour l'instant. Ça, c'est quoi? C'est pour compter? Bah, c'est super cool, je suis très très heureux. En effet, c'est à chier. J'en ai rien à foutre. Oh, le zinc! Ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que je voulais. Quand j'étais petit, j'étais en mode putain, mais c'est trop fort et tout, mais ça coûte tellement cher! C'est si cher! Si cher, mais si fort de tout monter, c'est si worse. J'ai pas une thune pour l'instant, donc on va peut-être partir sur des CT. Vitesse, alors ça c'est non. Ok, on check. On bouge, on va monter encore. Aïe. Ah, les stéroïdes c'est hyper cher. Normal. Ok. Ah! Ah! Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? Ça vaut le coup là? Ça vaut le coup de se mettre en place? On a, moi j'ai vu déflagration là. Déflagration, Fatal Food, bizarre, Lance-Soleil. Et alors, Exploforce, je ne sais pas ce que c'est, cela dit. J'en ai aucune idée. Déflagration, il apprendra pas lui-même déflagration. Exploforce, c'est vraiment fort. Parce que oui, c'est ça, s'il l'apprend de lui-même, ça a aucun sens de l'acheter, quoi. Exploforce, le lanceur rassemble ses forces et laisse éclater son pouvoir. Peut aussi baisser la death spé de l'ennemi. Ah ouais, c'est fort. Ça a l'air pas mal, quoi. Oh, gros Tintin qui offre 5 subs. Merci énormément, gros Tintin. Merci pour le sub gift. On remercie gros Tintin, bien entendu, dans le chat. Quel frère.
avec la petite émote merci. Je vais en prendre une, On va voir sur qui on peut la mettre. Mon conseil de la mettre sur qui Exploforce du coup, les amis. Parce qu'il y a un Pokémon particulier. Particulier. Exploforce. Non, c'était au-dessus. Navarron, Manu peut l'apprendre ou Navarron? Ah, ça vaut le coup sur Navarron? Navarron va apprendre Close Combat, donc non. Donc ça vaut pas le coup. Ouais. Ouais, ça vaut pas le coup, Manu, il laisse. Attends, Manu, parce que Uzès sur Navarron, d'accord, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et sur Manu, ça vaut le coup? Ça vaut le coup qu'ils mettent une énorme patate? Ça tape en spé. Ça tape en spé, oui, d'accord. Mais apparemment, de ce que vous m'aviez dit, Chimpanfeu, il a autant de spé que de physique. Donc voilà. Et Manu, je sais pas si ça vaut le coup. Sinon, je la garde sous le coude. Merci pour les 5 balles, Kevox. Tes Pokémon touchent sur les physiques. Achète pas. Mais c'était, ça touche que le spécial. C'est les CCT, tu voulais dire, je pense. Après, j'aurai d'autres Pokémon, donc voilà. Oui, voilà, moi je sais que si Simabraz il est balancé en physique SP, c'est ce qu'on m'a dit il y a un moment, donc c'est pour ça que j'y crois en fait, mais je vais garder sous le coude. Ok, on va garder sous le coude, ça marche. Donc déflagration, il apprend. Par contre, ouais, mais c'est pareil, j'allais dire Fatal Foudre pour Luxray, mais si il apprend Fatal Foudre aussi. Par contre, Blizzard, il y a moyen que personne apprenne Blizzard ici, là, dans le tas. Et Blizzard, c'est pas mal fort, hein. Blizzard, je crois que c'est 120 de dégâts. Après, ça touche pas tout le temps, hein, forcément. Enfin, c'est faut que ça passe, quoi. Mais c'est pas dégueu. Fatal Foot, c'est pas à chier. Ah ouais, non, Luxray, c'est que physique. Putain, mais c'est nul. Ah ouais. Hein, du coup, c'est une catastrophe. Par contre, Blizzard, j'ai bien envie de le prendre. Je vais le prendre, Blizzard. Blizzard, je le prends, je me fais un petit kill. J'aime bien. Parce que ça, c'est des grosses CT. Je vais juste en prendre deux. Et qu'est-ce que ça vend ici? Alors, don naturel, c'est quoi ça? Avant d'attaquer, le lanceur rassemble ses forces grâce à sa baie. Elle détermine le type et la puissance. Elle a chier. Abri, Osef, fauchage. Ah, mais ça, c'est le truc qu'il a, ça un PV. Ouais, ça, c'est pas mal en vrai, fauchage. Ça, c'est pour capturer les légendaires. Après, est-ce que j'ai jamais joué avec fauchage. Et honnêtement, ça, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est que de la protec ici. C'est que de. Que la truc un peu bon pour les bouffes, quoi, si je puis me permettre. Ouais. Non, ça c'est les CT naze. Hein. Allez, on va monter. Elle, c'est que pour les renseignements. Ouais, Osef. Ici, ça vend quoi? Un peu d'imonade. De la poupée. Ouais, ce sera pour les cachettes secrètes pour l'instant. On n'a pas trop d'utilité. Coussin jaune. Oh putain, la TV, frère. Un grand jouet en forme de télé. D'excellentes factures. Merci. Et en haut, les distributeurs de limonade, un grand classique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soda cool, limonade. Soda cool. Ah, j'ai juste envie de me mettre bien. Un petit soda. Voilà. Ça, c'est par contre, c'est débile qu'on puisse pas en acheter plusieurs dans. Pas quel est l'intérêt de faire un par un. Je suis fidèle sur les deux, tu me connais, bah d'accord. Des piquants. C'est l'objet à tenir, c'est le Pokémon qui le tient est touché et les piquants se collent sur l'ennemi pour l'infliger des dégâts. Ouh. Donc c'est inconsommable. Deux types musclés discutent ensemble. Alors. Peut-être pas le. Musclé, peut-être pas le mot que j'aurais choisi. On va redescendre. On va redescendre, on a ce qu'il faut. Par contre, Blizzard, on verra quel type de Pokémon sur lequel on va tomber. Après, cela dit, attends, Blizzard, est-ce que tu penses que Mystéflotte peut apprendre Blizzard? Blizzard, c'est le 14. Il tape en spé, Mysté. Oh, il peut! Junpei peut apprendre Blizzard, c'est hallucinant! Manu, est-ce que Manu il irait pas le chercher, quoi? Est-ce qu'on irait pas chercher un Blizzard sur Manu? Je pense que ça peut être pas mal. Ah, pas ouf.
Ouais, il tape en physique. Ah, oh, putain. Ça dégoûte, hein. Bon, je l'ai. En tout cas, je l'ai, c'est pas grave. On a fait nos courses. On a fait nos petites courses. On discute, on est là, on est à la bien. Écoute, y a pas de problème. On va aller voir ce qu'il y a dans ces maisons. Et puis, bien entendu, on va aller jeter un coup d'œil à l'arène, hein, après. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un mythe prétend que le mont couronné sépare Sinnoh en deux. Avoir le Pokémon sans coquille. Sans coquille. J'ai l'impression que ce mythe dit vrai. Sans coquille. Ce n'est pas du tout ça, sans coquille. Je sais pas à quoi ça ressemble. Sans coquille. Attends, je vais aller voir. Sans coquille. Sans coquille, sans coquille. Wiki Poképédia. Ah, d'accord, je l'ai déjà vu. Et ça devient Tritosaure. Tritosaure, très très bien. Alors, en fait, il est d'une couleur différente s'il est, c'est ça, sans coquille, mer Orient, sans coquille, mer Occident. En fonction de l'endroit où il a rencontré sans coquille, il est soit sous sa forme mer Orient, soit sa forme Occident. C'est mignon, ça, sans coquille. Une espèce de mollusque, c'est quoi, c'est une limace escargot Chelou, quoi. J'aime bien. Très sympa. Enfin, il a pas de coquille, il est sans coquille. Bien vu, les gars, vous êtes bons. Il a un début de carapace sur le dos, c'est bizarre. Limace de mer, ouais. Alors, le Calve Master, tu es dresseur, ouais. Ah ! Mais attends. Porygon, et on a le machin pour faire Porygon 2Z26, je sais pas quoi là. Putain, Porygon. En plus, je sais pas ce que ça vaut Porygon dans cette version. Si c'est fort ou pas. Ah, faut l'échanger. Oh merde. Ouais, non. Ah non, c'est chiant alors. Pour l'instant, c'est chiant. Ouais, mais je vais aller les chercher, t'inquiète, ma soeur. Info Sinnoh, bonsoir. Bienvenue sur Info Sinnoh. Voici la une d'aujourd'hui. Bonjour, vous regardez Trésor Souterrain. Notre invité aujourd'hui est le Ruin Maniac. Ruin Maniac, carrément. Salut, j'espère que ça biche. J'espère que ça biche. J'avais jamais entendu ça. Aujourd'hui, nous parlerons de Jiraiya qui a trouvé un objet écaille-cœur dans le souterrain. Il y a plein de trésors qui attendent d'être découverts. Pas étonnant que ce dresseur ait découvert l'objet écaille-cœur. Si je peux me permettre, vous n'avez pas trouvé grand-chose. C'est un coup bas, ça. J'ai beaucoup creusé. Espérons que Jiraiya continuera à dénicher des trésors enfouis dans le souterrain. A la prochaine fois, et continuez de creuser. Ah, pour une fois que ça change un peu le sujet. Ça biche pour toi. Ça biche pour moi. Plastique Bertrand. Plastique Bertrand, enfin maintenant le plastique est interdit. Carton Bertrand, on l'appellera. On n'a plus le droit, c'est fini. On va juste soigner un petit peu tout le monde. Et je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil à la reine tout de même. Pour voir ce que ça donne. Je pense qu'on va avoir des surprises. Je ne sais pas quel type de Pokémon. Apparemment, c'est une meuf, une jeune. Qui utilise. Une jeune, genre en mode je parle bluff, c'est une vraie personne. Utilise la dresseuse. Mais ça va être l'occasion de se la donner un petit peu. Ah, combat. Ça, c'est du combat. Ah, c'est du combat. 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 On peut pas y aller? Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Oh, les énigmes de fou furieux. L'énigme de malade. Ok. Damn! Ok, je sais très bien ce que je vais faire. Je vais juste mettre Maxi Dan et je vais laver l'arène avec Max. Par contre, ça va être chiant quand ils vont appeler des Meditica, quoi. Machopper est envoyé, ok. Manu, c'est ton moment. Manu qui est devenu hyper musclé, on va lui mettre une machu. Ça fait rien, machu. Ah, c'est machu. Non, ténèbres, ça marche pas. Ouais, je suis encore, mais du coup, ça va peut-être lui faire peur. Ouais, je voulais lui faire peur, mais non. On va juste mettre un pistolet là-haut. J'oublie à chaque fois que ténèbres sache. C'est enfin vraiment les triangulaires, là. Ténèbres, on en avait déjà parlé, un spectre, psy, ça me rend dingue. Okay. Lui il va donner un peu d'XP quand même, je pense, Machopper là. Lui il va nous faire voyager, je pense. Ténèbres supérieur à spectre. Spectre est supérieur à psy, et psy est supérieur à ténèbres, c'est ça, hein. Ça, c'est ça la triangulaire, je crois. Et psy défense combat aussi, non? Non, yes, non. Non, psy, pas su, pas ténèbres. Ah bon? Non, psy, c'est supérieur à quoi? Non, ténèbres est supérieur à 2. Ah ouais! Ténèbres, c'est mieux que les deux, putain.
Et je vous dis que je confonds à chaque fois. Ténèbres inférieures en combat, qui est inférieure à psy, ok. Psy, c'est inefficace sur ténèbres. Ah, psy, c'est carrément inefficace sur, sur ténèbres. Vous diriez qu'entre ténèbres, psy et spectre, c'est quoi le meilleur type? Non, dans la théorie. Ténèbres. Merci pour le sub, frérot. Merci pour le tier 1. Ténèbres, on a du psy, ténèbres by far. Ouais, ténèbres, c'est fort. Après, j'avoue que j'ai peu de... Je sais pas, en mémoire, j'ai peu de Pokémon ténèbres, que j'affectionne et que j'utilisais. Donc c'est vrai que je me rends pas trop compte, quoi. Le seul Pokémon qui utilisait attaque ténèbres, c'était Démolos, on est d'accord, il est ténèbres, non? Il est pas genre... Ténèbres. Il me semble que oui. Moi, ça me faisait flipper, Démolos. Ouais, c'est ça. Il est feu ténèbres, non? Ouais, c'est ça, feu. J'avais peur de dire une dinguerie. Non, je veux pas mettre de tableau à côté et tout. J'aime bien discuter avec vous. Comme ça, c'est l'occasion que vous me rappeliez à l'ordre à chaque fois. Allez, Louche qui prend un peu d'XP. Matt Chopper. Bon, on va changer. Mekidan qui va pouvoir continuer à laver le serveur. Max hein, qui est très très chaud hein, pour l'instant. Un bel oiseau, Maxildan ici. Gros yeux. Ok, pas de soucis. Allez, c'est bon. Ça dégage. Je pense que Max, on va le faire Pex ici. Sachant que sa prochaine évolution, ça, alors il a évolué. Il a évolué tout, il a évolué 14, je crois. 14. Donc ça veut dire que sa prochaine évolution, elle doit être 32, je pense, je dirais. 30, 32. En tout cas, pas 36. 36 me semble bien trop loin. Ça me semble bien trop loin pour tout ça. Je peux pas remonter. Ah, je peux descendre par là. Non. Je peux tomber dans les trous. Peut-être. Ah merde, c'est quoi, je l'avais même pas vu là, le... J'avais pas vu le bordel ici. Allez, vas-y, envole-toi. Let's go. Bien. Ouais, c'est de l'énigme, hein. C'est de l'énigme, c'est pas évident. C'est chaud. Énigme de fou furieux, MDR. Juste... Non mais... Mec, c'est juste que je n'avais pas vu dans le décor. Tu te calmes, d'accord? Pas le beau. Hein. Ce sera 34, ok. Machop 25, Machop 25, Manu qui est un peu une sasa ici. Que il faut que je mette Maxidan en 1, là, j'ai oublié. Je vais le mettre en 1. Mustéflotte, c'est pas mal, hein, en vrai. Je sais pas, j'aime bien. Ça a un peu de charisme, c'est sympatoche. Ça a pas l'air trop nul non plus. Ce sera notre petit Pokémon O. Après, si vraiment on trouve une vraie dinguerie, on pourra peut-être le changer. Mais je crois le point karaté là qui fait son office. C'est moyen tiers, ouais, apparemment. Après, je kiffe bien le Pokémon. Je me fais un kiff. Ah, tu penses que Vive Attack ça fait plus de dégâts que Pistolet à eau? Après, tu me diras Pistolet à eau, c'est SP. Et vous m'avez dit que Manu il avait l'air de taper plus en physique. Alors, pour l'avoir vu à l'œuvre plusieurs fois, Manu dans pas mal de ses productions, c'est vrai que c'est un mec assez physique, quoi. Donc ça ne m'étonne guère. Ça ne m'étonne guère ici. Je vous crois. Je vous crois. Ouais. Ah non, j'ai le stab, donc ça fait plus de dégâts. Ok, excuse-moi. Salut, mon pote. Max, je sens que ça va être le MVP. Maxildan, le piaf de droite. Je sens qu'il va laver cette arène. Il ne va jamais être embêté, ne serait-ce qu'un seul instant. Par contre, on est d'accord que Luxray, il y a un moment où il va devenir full insane. Ça va être de la pure dinguerie, on est d'accord. Vous m'avez vendu Luxray comme étant un génie de cette génération. Hein? On est d'accord. Ok. Tu verras. Non, il y a de tout, hein, j'aime bien. Un petit coquin. Allez, Karateka Ernest. Ciao, bonsoir. Hop, Maxildan. Voilà. C'est le louche qui est... Putain, le louche qui est 29, hein, mine de rien. On va le faire évoluer, ensuite on changera, on mettra sur Aldé, je pense. Aldé qui peut faire le taf. Oh, gros, non. Oh, quelle horreur. Il m'a bloqué, il a 45 ans. Ah oui, mais c'est bon, je peux faire le taf.
Attends, une énigme de fou furieux encore. Un petit Galick Kid, c'est ouf. Ah mais là on n'a pas Galick Kid. Après on a pris Grignote qui est le Galick Kid de cette version en final. Donc lui, on rappelle combat poison, Cradopo. Je porte bien son nom. Oh non, il me fait trembler avec son anticipation. Cruel. C'est le one shot. C'est trop fort. Il est trop fort, Maxildan, il one shot ses adversaires. C'est hallucinant. Le mousse qui pense son level 30. Mathieu peur, mais non, ça bouge pas. Max, toujours debout. Est-ce que retour, ça fait longtemps que j'ai pas fait retour, juste par curiosité, voir un petit peu. Parce que là, on est en full amitié normalement avec Maxildan. Non, c'est non. C'est non, ce sera non, ça reste non. Ouais, mais j'ai trop hâte qu'il évolue aussi, Max, parce que en termes de dinguerie, j'ai oublié de dire que Etouraptor était assez énervé. Putain, mais Max Chopper, hein. Oh, zéro dégâts, ça. Il va me faire. J'aurais pas. Ah, dans ma tête, zéro dégâts, c'était un peu moins que ce qu'il a mis. Pas vous mentir, peut-être un peu énervé. Peut-être un peu abusé sur le zéro dégâts. Ok, le louche. Qui prend son XP aussi. Ciao le karatéka. Oh, ça y est, c'est niveau 30. Let's go. Allez, fais-moi rêver. Le louche. Le louche, ça va. Oh. Déjà, il a l'air d'avoir un vrai flow. Est-ce qu'il va vraiment ressembler à mon chat? C'est littéralement mon chat. Non, ok, ressemblance 1%. Par contre, il est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Il a du flow. Je garde. Je le veux dans mon équipe. Je le veux. Mais quel flow hallucinant. Il est injouable à tous les niveaux. Ils lui font pas prendre une attaque. Par contre, déjà, on va le prendre. Et surtout, resume. Et c'est... Alors, attaque 84, attaque SP 60. Ça va, il est pas à la ramasse non plus en attaque SP, non? Quand tu compares ici, attaque SP, lui, il est dans les choux total. C'est non. C'est non. Ici, mais ça va, attaque SP, attaque. Oh, vous étiez forceur en vrai. Oh, les dégâts de Jumpé. Jumpé, c'est la salope. Jumpé, il est éclatasse. Ouais. Et Chimpanfeu, il y a 10 de décalage. Et Tour Raptor. Enfin, et Tour Vol, pardon, qui est à 43-35. Ça me semble correct. En vrai, c'est pas déconnant. Hein. Je trouve que vous avez abusé un peu sur le bail. Vous avez forcé un peu sur le bail en mode non, c'est injouable. Après, peut-être que ça va monter, non? Le talent de Luxray. Où c'est que tu vois le talent? Très astucieux. Gentil de sa nature. Merci, merci pour les subs. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Ça a relancé directement. Le train de hype, merci. Mon tardise. C'est où le talent? Je sais plus, c'est quoi son talent. Ah, c'est rivalité, c'est ça? Oui, bon, il est level 30 aussi. Bah, et alors? Bon, je vais pas jouer en compète, tu vois ce que je veux dire? Donc, rivalité, c'est. Ah, ses dégâts augmentent contre les Pokémon du même sexe. Donc, en gros, si je le fais se battre contre des mâles, il va faire plus de dégâts. C'est pas mal en vrai. C'est le mal alpha en vrai, c'est le mal alpha. Manu, il a gagné. Manu, gros, je peux pas faire mieux. En termes de talent, on peut pas faire mieux. Glissade. Ou la glissade, mesdames et messieurs. Y a pas. J'aurais voulu le faire exprès que je n'y serais pas arrivé. Oh bordel. Augmente l'attaque si l'ennemi est du même sexe. Ouais, donc c'est mal. Augmente la vitesse du Pokémon s'il pleut. Donc il est injouable. Ignore les changements de stade de l'ennemi, Osef, boost tes capacités feu en cas de besoin avec brasier, ok. Comment ça veut dire quoi en cas de besoin? C'est con, mais what the fuck les amis. Par contre, et Manu, j'avais pas vu, vitesse 69, injouable. Trop fort, Manu est vraiment jouable. Injouable à tous les niveaux actuellement, donc voilà, je veux dire, ça rigole, ça va pas le fond du bol. Hein. Les étoiles sont alignées avec Manu, c'est incroyable. Ce let's play c'est n'importe quoi. Le multiplex, on va aller le foutre à Aldé. Tiens, Acrogriffe. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, Acrogriffe, on s'en fout. Pour pas qu'il soit trop en retard, le frérot. Donc voilà.
En cas de besoin, c'est en dessous de un tiers des PV. Ah d'accord, en gros c'est moins, plus il prend de dégâts et plus il peut le laver le serve. Très bien. Fait voler Junpei pour avoir accès à toutes les CS. Ah oui aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il va y avoir un moment important avec Junpei. Donc je vais devoir lui apprendre surf. Après cela dit, est-ce que surf c'est pas intéressant que j'apprenne parce que surf c'est une bonne... Enfin vous allez peut-être me dire que je dis une dinguerie, mais pour l'aventure et tout, moi je trouve que surf c'est une bonne capacité. Bon, il n'y a rien de choquant à dire que surf est bien. C'est pas mal hein. Pour l'aventure, ouais c'est pas... c'est ok. On est d'accord. Ah ouais, faut que je pète ça là-bas. Et par contre, je peux toujours passer dessus. Oh, les énigmes de fou furieux, gros. Est-ce que je vais m'en sortir? Je sais pas. Je sais pas, ça me semble quand même technique. Ok, faut que je fasse un petit calcul. Ouais, d'accord, faut que je remonte ça, d'accord. Puis, ouais. On va passer par là. Ah, il descend pas? Battu. Je pensais qu'il pourrait descendre. L'énigme est trop complexe pour moi. Bon, on va monter ça. Surf appartient aux catégories d'attaque type lance-flamme, tonnerre et laser glace. C'est excellent. D'accord. Ah, moi j'ai toujours bien aimé l'attaque surf. Oh, c'est l'attaque surf! Du pur régal. Ah, mais attends, mais je confonds en fait les traits depuis tout à l'heure. Oui, d'accord. En fait, c'est ceux qui sont ici. Très bien. Super. Super, messieurs dames. I am abated. Je passe par là. Attends, je peux pas passer par ici. Pff, c'est trop complexe. Hein. Et je perds mes moyens. Je perds mes moyens. La vérité, c'est que je vais aller soigner aussi les Pokémon. Il me reste aucun autre dresseur avant comment s'appelle la championne. Donc je vais aller les recharger. Ouais, donc ça reste fort. Allons soigner tout ça. C'est quoi la définition exacte de stab dans le jeu Pokémon? À part se faire poignarder. Salut les gars, bah je voulais juste stab, mort. C'est attaque du même type que le Pokémon? Mais oui, mais... Enfin, comment expliquer? Qu'est-ce que ça apporte de plus stab égale attaque du même type que ton Pokémon? Si t'as le même type que attaque, c'est plus 50%. Voilà, c'était ça, là. C'était la stat exacte. Très bien. Ouais, donc en gros, c'est un Pokémon où tu fais une attaque haut, tu fais des dégâts 50% supplémentaires. Quoi. Vive le stab. De l'attaque boost, du bon attaque boost. D'ailleurs, question con là, j'y pensais tout à l'heure, puisqu'on regardait un peu si c'était physique ou attaque spé. Séisme, c'est considéré comme, vu que c'est une attaque sol, c'est considéré comme une attaque spé ou comme une attaque physique, séisme. C'est physique, d'accord. Putain, dans ma tête, ça ressemblait plus à du... Ah, faut le refaire. Oh, c'est chiant. Oh, le livre en son. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'était un peu plus spé. Mais... Je dois rêver. Je dois être un fou. Ok. C'est bon, on y va. Let's go! Boum. Alors, qui fait le mariole avec moi? Personne. Est-ce que ça sert à quelque chose de péter ces trucs-là? Mon intérêt à part peut-être gagner un peu de temps. Je vous le demande. Donc là, il faut qu'on pète ça ici. Ok. C'était full HP, ouais. Oh là là, ça offre des subs encore une fois, la sub hype. Merci beaucoup. C'est nous qui offre directement 5 subs. Merci énormément, c'est très gentil. Hein. Eh, vous... eh, t'as le cœur sur la main. Hop. Merci beaucoup. On est à deux doigts de... Oh non, on est en train de casser tous les records. Hein. C'est hallucinant, 5700 subs. Dingus. Saint-Just, le Dingus. Du coup, non, mais en fait, faut que je le pousse encore de ce côté-là. Est-ce que je peux le pousser plus pour qu'il pète? Ouais, il va le péter. Et après, ça sert à rien que j'y retourne. Il va le péter là. Okay. Ah, il me reste un mec à affronter là-bas en duel. Je vais le chercher. Je ne suis qu'un singe.
Nessus X. Alors, le karatéka Takashi. Tiens. Jure, Scarino, j'ai pas envie de le frapper. Mais quel flow hallucinant de Scarino. Scarino, je crois que ça a une méga évolve en plus. Hein. Putain, mais quel énorme flow, quoi. Le flow de fou furieux. Vive Scarino. Scarino le crash. Par contre, on est d'accord que Scarino, c'est combat insecte. Du coup, il se fait enculer sur... comment ça s'appelle sur une attaque vol. Il prend x2. Ouais, voilà, c'est ça. il se fait littéralement arracher, quoi. Ah oui, c'est x4, excuse-moi. Non, mais j'essaie de le respecter un peu. Aéropic. Vas-y, Aéropic, on va aller voir. Alors, Aéropic. Aéropic, ça fait quoi? Physique 60. Le lanceur prend l'ennemi de vitesse et le laser n'échoue jamais. Ça a l'air pas dégueu, ça. Hein, Aéropic en vol. À la place de quoi? Est-ce que Aéropic, c'est censé être comme Vive Attack? C'est-à-dire que tu commences devant? Donc je le prends à la place de Vive Attack en vrai. Ou Cruel. Non, Cruel, ok. D'accord, c'est pas la même chose. Bah je peux enlever Cruel. Ouais, 60. Surtout ça n'échoue jamais, quoi. Parfait. Ouais, là, Aéropic, le champion, il va hurler. Hein. Je suis désolé pour lui, mais... Enfin, ou la championne. Elle va manger chaud. Du coup, ça, on doit le descendre. Allez, hop. Zou. Putain, je m'y perds avec tous ces fils. Ah, d'accord, lui, il peut aller là. Hop, tac. Voilà, pour enlever celui-là. Là, il faut que j'enlève ça. Avec celui-là. Ah non, ça l'enlève pas. Et s'il ne l'enlève pas, comment je l'enlève celui-là? Non. Je passe par le ring, je passe par derrière. Ah, parce que je peux pas le passer. Celui-là, on l'enlève comment? Parce qu'on est d'accord, c'est l'ombre que je vois là, ouais. On peut pas le passer par là, et il n'y a rien qui peut passer de ce côté pour le toucher, puisqu'il est au-dessus. C'est très bizarre, ça. Ah, est-ce qu'il faut pas que je l'envoie avec toute la vitesse de là-haut de ce truc-là, et que je le fais taper ici, peut-être? C'est la seule solution que je vois. Sinon, ça n'aurait aucun sens qu'ils aient foutu ce sac de frappe ici, je pense. Bon, on va essayer ça. Comme on dit chez moi, ça ne mange pas de pain. Ça mange que des miettes. Ouais, voilà, comme ça. Je pense que c'est avec l'inertie. Avec la puissance, il va le détruire. Ouais, c'était ça. Oh là là là, je suis vraiment chaud en énigme. Je suis vraiment super chaud, quoi. Je me retourne pour voir le chat, je vois ce message a été supprimé. Ce message a été supprimé. Alors, on a essayé de me donner l'information alors que je pouvais réfléchir. Les gars, moi j'ai eu mon BEPC, hein. Je peux réfléchir, hein. D'accord. Ok, let's go. Ok, let's go. Hop. Et vu. Voilà. Et maintenant, on va péter ce côté. Et on sera bon. Alors, nous allons affronter la championne de Voix la Rock, type combat. Nous sommes à 58 minutes de VOD. On va le faire. On va le faire, mesdames et messieurs. On va le faire tout de suite. On va écrire l'histoire. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Mélina, le champion de cette arène. Je ne sais pas ce que c'est qu'être forte ni comment je suis devenu champion d'arène. Mais je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon rang. Oh non, Adil, frérot, merci pour les 5 subs offerts de la part d'Adil. Quel frère de fou furieux. Merci, mon frérot. Merci énormément. Pour les 5 subs, j'espère que tu vas bien. Adil, c'est un frère, c'est le sang de la veine, tout simplement. On peut lui dire merci encore une fois dans le chat. La sub hype, équipe à fond, on est là. Pourquoi un accent du sud? Tout à fait normal, c'est comme ça, j'avais envie. Je prends le combat très au sérieux. C'est quand tu veux. Ok. Écoute, je me sens pas, Mélina. Je me sens pas physiquement menacé là. On va voir, hein. Après, 6 fois, elle va me rouler dessus. Hein, mais... Déjà, Meditica, c'est mal parti. Niveau 28, très bien. Ouais, nous on envoie Max, hein. Voilà, on va juste lui intimider sa mère. Max Hildan, bon, vous le connaissez, hein. Hey, tu connais sa morale, Max Hildan. De l'aéropique. Je pique.
Voilà, voilà. Voilà. Ah oui, ça, ça envoie du bet, hein. Ça envoie du bet. Allez-y, allez-y. Victoire ou pas. Le bet va être assez fou, hein. Loose by Carlu Cario. Ok, 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 ok. On va voir. Aéropic. J'ai la musique qui me met un stress monumental. Ah, lui commence à tanker par contre. Oh le bâtard. Ah, j'avais oublié ça. j'avais oublié. J'avais. Ah, j'aime pas penser à ce truc là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tranquille, tranquille, ami. Là, il va le soigner. Il va le soigner, mais aucun problème parce que nous, on va utiliser Jumpé. Jumpé. On a combien de. Attends, faut que je. Bah, où sont mes rappels? 8 max, donc de toute façon, je suis à. Ah, soit un statut, ça doit être là, d'accord. Ah, c'est bon! C'est pas dans le même truc. Ok. Ok, 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 ok. Pas de panique, pas de panique. Ouh. Comment ça triche? Vous êtes des malades ou quoi? Le louche, c'est ton moment. Le louche qui va aller faire peut-être le test. C'est triché pour l'après-dit. Mais de quoi? Mais vous êtes des malades ou quoi? Bien sûr que oui, je vais utiliser tout ce qu'il faut utiliser. Est-ce que je lui mets une vantardise? Je le finis, je mets vantardise et je le soigne. Vas-y, je vais faire ça. Là, je le termine. Regardez, après, je mets vantardise sur son dernier Pokémon. Je sais pas ce que c'est. Ah, bah, c'est Lucario, non? Là, il est mort. Donc là, le louche, il va prendre un peu d'XP. Zidane, il prend l'XP quand même. Regardez bien. Changer de Pokémon, non, aucun problème. Je tente ou pas? Vantardise sur Lucario. Est-ce que. Ah oui, des niveaux 32, non, j'avoue, c'est un peu chaud. Ah, Vantardise, c'est peut-être. C'est peut-être avoir un énorme zizi là. On va rester sur la super motion. C'est un peu risqué quoi. Pour la cote, pour la gloire, pour la gloire. pour la gloire, je peux mettre Vantardise. Après, c'est. Oh, le vampi point. Oh, je le tente. Oh, le beau jeu, le beau jeu, le beau jeu. Le beau jeu. Ok, si tu pas. C'est un peu risqué, hein. C'est un peu risqué, hein. Morsure. Allez, frappe-toi. Parce que s'il se frappe. Oh là-bas. Ça me va. Tant qu'il se passe ici. La cote, elle a combien? La cote, elle doit être insane. Ah oui, la cote, elle est à 37. Elle est à 37. Je sais que c'était pas efficace, morsure, Osef. Vas-y, Max, c'est son moment. C'est son moment. Alors, peut-être. La cote est à 37 sur Malouze. Là, il y a des mecs qui peuvent manger Gucci. Aéropic. Oh non. Il se blesse. Let's go. L'aéropic. Let's go. Par contre, il est trop rapide, gros. Quoi? C'est tout? Oh là, je vais faire retour alors. S'il te plaît, frappe-toi. Griffe facile, ça fait 0 dégâts. C'est loose. C'est tous les jours loose là. À moins que le louche. À moins que je fasse une dinguerie, que je revive le louche, qu'on lui fasse faire vantardise.
Non mec, c'est impossible. Je suis obligé d'aller Ok. Il est acier. Il est trop rapide gros, il est trop rapide, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Oh là là, c'est foutu gros, c'est foutu. C'est mort, c'est tous les jours mort gros. Oh les énormes dégâts. Catastrophe. Je savais pas qu'il était assis ce bâtard, sinon j'aurais jamais fait ça. Si je savais qu'il était assis, j'aurais jamais fait mon tendice. Qu'est-ce qu'on peut faire on peut juste aller se faire foutre hein, là. Je crois que j'ai... Même avec des rappels gros Même avec des rappels c'est pas possible. Un petit rappel sur Navarron, ouais mais Navarron il jouera jamais avant. Sinon c'est Lelouch et je retente l'avantardise mais... Oh la griffe acier qui est pas très efficace mais... Parce que je vais le travailler au corps, Je vais essayer Aldé, je vais essayer séisme. On va essayer séisme. Oh le bâtard. Mais vampipoint là, ça tape hein. Il est full life frère. C'est un scandale. C'est perdu hein. C'est perdu gros. C'est genre Je ne peux pas gagner. Je vais utiliser tous mes rappels. Regardez. Je vais pour vous montrer que ce n'est pas un pari truqué. Maxime Dan, regardez. J'ai une technique. Écoutez-moi bien, j'ai une technique. Alors peut-être le joueur FR contre toute attaque. Regarde. Oh regarde. Alors peut-être. Intimidation. Griffe acier, ok. C'est pas grave. Regardez ma technique. Navarron. T'inquiète. Je l'aurais jamais tué, mais les gars. Mais vous. Aïe. Tu crois que je l'aurais tué? T'aurais pu lui rendre CHP, mais non, mais vous allez voir. Comprenez pas ma technique. Grâce à plusieurs intimidations, il ne fera plus dégâts. Hein, Maxi Dan. Double, déjà c'est double intimidation gros. Bon le bonheur de Max par contre ouais j'avoue que ça va disparaître très vite. Ok. Il me reste un rappel. C'est le dernier. Oh non c'est le dernier rappel. Et Max était celui qui pouvait me sauver je pense. On va sur qui? Je vais le heal, je dois pas rappel, faut que je sois. Mais par contre s'il meurt c'est fini. Hein. S'il meurt c'est terminé, c'est la fin d'El Mundo. 60 PV. Ouais, le mono c'est combien? Ouais. S'il meurt, c'est fini. Oh là, c'est fini. Oh. 33. Ah ben non, putain, c'est infâme. Là je peux pas tenter le move, je peux faire En fait faut que je lui fasse perdre. Il va jouer en premier gros. Faut que je joue sur ses PP. Let's go. Allez Maxildan. Le combat est juste malade. Ok cette VOD durera plus longtemps que d'habitude. Oh la griffe acier.
Pas mal. C'est pas grave. Y a R, je le re-soigne. Ouais, tu vois, ça m'enlève trop. Ça m'enlève 36. Ça m'enlève 36. Ok. On est là. 35 griffes faciées. Ok. T'inquiète. Est-ce que, à votre avis... Ouais, 38, c'était bien. Ok, griffes faciées. Oh, il rate son attaque. Ça, c'est mon moment. Est-ce qu'à votre avis, je dois revive un mec? Soit je revive un mec, soit je lui mets une dinguerie. Mais le problème, c'est qu'Aéropic, ça va rien lui faire. Ça, il est assez, donc ça va rien lui faire. Donc Aéropic. En fait, j'ai que Aéropic, qui est pas ouf, tu vois. Aïe. Donc, je revive peut-être Navarron. Navarron, comme ça, il va faire que des griffes faciées et Navarron, il va survivre. Forte pomme, il en a beaucoup ou pas? Parce que c'est chiant, ça. Ah, 32. Ça, je suis obligé de soigner, là, du coup. Je perdrai pas. Hein. Écoutez-moi bien. Oh, que je perdrai pas, monsieur. Ah, putain, ma forte pomme. Forte pomme, 10 pp. Ok, c'est parfait. Est-ce un gag? Est-ce un fucking gag? Y'a pas un truc qui me fait tout enlever? 100 PV. Ouais, mais ça enlève pas les états. Putain, un truc qui soigne, mais j'ai pas de guérison quoi. Bah, c'est un gag. Oh, putain, j'ai pas de guérison. Bah ouais, mais j'ai pas de guérison, les gars. Peut-être le faire. C'est bon. Ok, là je fais quoi? Je fais un... Ça m'enlève 36, donc là je fais un petit total soin. Un antipara. J'en ai pas antidote total soin, j'en ai total soin. Attends, baisserie, ça fait quoi? La parisie, ouais. On s'en sort, on lui fait claquer ces trucs. Je vais vous le faire, mesdames et messieurs. Il me tue pas, vous inquiétez pas. Forte pomme, ça me tue pas. Ça fait 36. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort. Du pire petit les meumeux là. Bon, je suis meumeux. C'est let's go. On le met à l'aise, Maxime Dan. Hein. Imagine le combat où les mecs sont là avec des trucs en train de soigner. Forte pomme, il doit plus en rester beaucoup, donc là je peux faire atterrissage. Forte pomme. Atterrissage, on n'en parle plus. Voilà, on trouve un petit 30 HP. Tranquille, on est là, il me tue pas. Petit atterrissage, forte pomme, parfait. Oh, 36, là c'est technique. Là c'est technique. Par contre, forte pomme, vous êtes sûr qu'il y a 10 pp? Parce que j'ai l'impression que le mec depuis tout à l'heure I am swanting, hein. Il n'en a plus, je crois. Forte pomme. Il n'en a plus, c'est pas possible, gros. Genre, oh là. Je peux pas soigner Navarron pour l'instant, les gars. C'est impossible. Si Maxildan meurt, c'est terminé. Je sais pas combien il lui reste. Ok, 39, il me tue pas. Donc là, je peux soigner. Soin. Super potion. Pour Navarron. Navarron le crack. Donc là, griffe facile. C'est bon, c'est que griffe facile. C'est le moment. C'est le moment de se régaler maintenant. Soin. Donc là, on fait soda cool. Utiliser. Là. Après, il a le point vampire, là, il en a plus. Forte pomme, c'est terminé. Donc là, il est dans la merde. Là, il est en full griffe acier, gros. Ok. Total. Là, on enlève la paralysie. Et là, c'est parti. Là, je lui lave le cul. Là. C'est parti. On a préparé le setup.
Il me tue pas, il me tue pas. Mort. Let's go. On se soigne. Ce serait sympa de se soigner pour une fois. C'est pas soigner de la game. Je vous propose d'utiliser une hyper potion. Allez. Menteur, pharisien, hallucinant, gros. J'arrive, il met un coup critique. Putain, un truc de fou, lui. J'ai presque plus de potions. Je suis abattu. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? C'est un gag. Oh non, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde, gros. Je suis dans la totale merde. Oh là, c'est foutu, gros. Attends. Regarde comme je suis intelligent. Il va utiliser charge os. Il va utiliser charge os. Il va pas faire griffe acier. Il va utiliser charge os. C'est sol. Ça me touche pas. Regarde bien. En plus, je lui baisse encore. Intimidation. Alors, le bouffon. Let's go. Petit atterrissage. Pas de critique, hein, par pitié. Hein. Hop. Voilà. Je joue ça au calme zère. Soin. Regardez. Ma technique, elle est insane. On soigne Navarron. Regardez bien. Ok. Griffe acier sur Navarron, zéro dégâts. Il va faire charge os, je change. Je suis un génie. C'est nul, c'est absolument nul. Un petit mac punch rapidement. Hop. Voilà. Oh, il refait griffe acier. Oh, il est bête. Il est bête comme ses yep. Le joueur FR. Oh là là. Juste après, il va utiliser une popo. Il a raté son attaque. Alors, je suis dans le pétrin. Oh, je te le fais pas dire que t'es dans le pétrin. Let's go. Le joueur FR. Le joueur français. Alors qu'on me donnait perdant. On me donnait perdant, mesdames et messieurs. Je l'ai lavé. Je lui ai laissé aucune chance. Yes. Yes. Voilà comment on joue à Pokémon. Voilà comment jouer quand j'avais 12 ans, mon frère. Et je continue de le faire aujourd'hui. C'est ça, le vrai Pokémon. Le clutcher, aucun item utilisé. Accepte ce badge arène, je l'accepte. Le badge pavé de Medina. Yes. Alors, la cote à 37. Bon, on a su un peu quand même. Ouais, grâce à ce badge officiel de la Ligue Pokémon, tu pourras utiliser la capacité secrète vol hors combat. De plus, maintenant que tu as 4 badges, les Pokémon obtenus au cours d'un échange t'obéiront jusqu'au niveau 50. Et j'ai une autre récompense. C'est quoi? C'est pour un vampirique, là, je pense, non? Contient vampipoint. Pas mal, ça, vampipoint. Est-ce que c'est pas une capacité à mettre sur... sur Simibraz. Ça a l'air très fort. Ouais. si, ok, bon, on va lui apprendre. Il mérite. Il a été le clutcher. Il a été le clutcher de cette game avec Maxidan. Maxidan qui a perdu un peu de bonheur, hein, je pense, mais foire la dinguerie que c'était. Ah non, te bats pas maintenant. Hein. Laisse-moi respirer. C'est Jirai, tu peux m'aider? Ces bandits de la Team Galaxy m'ont volé mon Pokédex. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît. Je t'attendrai devant le hangar. A tout de suite. Ok, Aurore.
Bon, on va les sauvegarder surtout. On va aller mettre fin à cet épisode. C'est le premier épisode de la journée. D'accord. Il est 18h33. C'est un épisode de 1h20. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et est-ce qu'au final, vous n'avez pas vibré sur ce combat? Vous avez vibré en même temps que moi. Moi, je pense que c'est ça qui nous manque dans Pokémon. Trop facile, tu joues, tu bats tes mecs. Et... Non. Là, il y a eu du suspense. Il y a eu de la stratégie. Il y a eu de l'utilisation d'objets à bon escient, si je puis me permettre. C'était fabuleux. C'était zéro spectacle. Tu me le bannes, lui, là. Tu veux plus le voir, là. Comment tu t'appelles? Warabzer? Sub ou pas sub? On me bat les couilles, frère. Lui, il est banni à vie. Plus jamais le voir. Je suis abattu. J'aurais pu me faire 200k, bah ouais, t'aurais pu. Mais t'as pas réussi, parce que t'as pas cru en moi. voilà tout simplement. Oust la racaille. Allez, on sauvegarde et on termine cette VOD ici, première partie hein, aujourd'hui, en ce beau jeudi. Donc c'est la partie numéro 12 d'ailleurs de ce Let's Play Pokémon Platine. Et quelle heure et demie nous avons passé ici. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire pour le référencement, même pour parler. Il y a des débats ici à chaque fois, hein, les débats sur les casinos, les débats sur est-ce que Givrali est le Pokémon le plus moche. La réponse est oui, bien sûr, mais voilà. Et ça, c'est beau. À très vite pour la suite.